Léon Gontran Damas, né le 28 mars 1912 à Cayenne, en Guyane française, à quelques kilomètres de ce que la mémoire populaire a retenu de son pays, le bagne, meurt le 22 janvier 1978 à Washington. 1929, à Paris, il étudie le russe aux langues orientales pour lire dans le texte le nègre de Pierre le Grand de Pouchkine et le japonais pour mieux connaître le peuple nippon dont on dit qu'il a du sang noir dans les veines. 1930, il y retrouve Aimé Césaire et rencontre Léopold Sédar Senghor. 1948, il est élu député de la Guyane. Ambassadeur culturel de la négritude aux États-Unis, en Afrique, Damas agite le monde de son talent bohème. Son humour légendaire a ponctué sa vie de cris et de révoltes. Léon Gontran Damas, poète guyanais, ne figure pas dans le Petit Larousse. Damas n'est pas du tout un Africain, c'est vraiment un nègre de la diaspora, donc un nègre de l'arrachement, un nègre de la transplantation, visité par de grands souvenirs, et un être, malgré son ricanement, profondément sentimental. Figurez-vous que j'ai connu Damas sur les bancs de l'école, mais pas du tout sur les bancs de l'université. Comme Senghor, j'ai connu Damas à la Martinique, sur les bancs du lycée, de notre bon vieux lycée Schœlcher. Autrement dit, nous avions 13 à 14 ans. J'ai connu Damas, par conséquent, nous avons fait une partie de nos études secondaires, je dis bien secondaires ensemble, pas primaires, mais secondaires ensemble. Et puis un beau jour, Damas nous a quittés, il est parti, il a été continué ses études en France. Quels sont les poètes que vous aimez? Victor Hugo, La Fontaine, qui encore? Baudelaire, il y a qui? Bon, j'en ai pas tellement beaucoup. Que vous aimez? Oui. Et vous? Bon, j'aime la même chose. Je suis pas très fan, pour les poètes. Ni moi. Et vous, qu'est-ce que vous aimez comme poète? Victor Hugo. Mais il n'y a pas autre chose? Il n'y a pas quelqu'un d'autre que Victor Hugo? Et en poète guyanais? Stanislas, Cantou. Et puis encore, comme poète guyanais, que vous apprenez à l'école? À l'école, on n'apprend que des poèmes de poètes français. À l'école, on apprend des poèmes de poètes français. N'apprenez pas de poètes guyanais. Oui, ça dépend. Ça dépend avec quel professeur. En primaire, ou pas au collège. Parce que nous, on n'apprend pas de poètes guyanais. Et des romans. Vous connaissez encore pas d'autres? Il y a Joachim Dubellay. Oui, il n'est pas guyanais. Non. C'est tout? Non, ouais, je vais chercher. Pour avoir travaillé sur la vie et l'œuvre de Damas, je puis vous assurer qu'il n'a pas eu une enfance très intéressante. D'abord, à la mort de sa mère, il a perdu la parole. Il était donc muet et il n'a commencé à parler que vers l'âge de 6-7 ans. D'aucuns disent vers 8 ans. C'était un enfant très intelligent et ça lui a permis très rapidement donc, de rattraper le retard. Et de ce retard, il est parti ensuite en Martinique pour faire des études comme cela se faisait autrefois, et il était allé donc auprès d'une tante qu'il avait en Martinique et qu'il a élevée. Ma mère voulant d'un fils mémorandum. Si votre leçon d'histoire n'est pas sue, vous n'irez pas à la messe dimanche, avec vos effets des dimanches. Cet enfant sera la honte de notre nom. Cet enfant sera notre nom de Dieu, taisez-vous. Vous ai-je ou non dit qu'il vous fallait parler français? Le français de France. Le français du français.
le français français. Désastre. Parlez-moi du désastre. Parlez-moi. Ma mère voulant d'un fils, fils de sa mère. Je crois qu'il y a chez Damas, dans sa poésie, il y a l'angoisse existentielle nègre, qui est extrêmement antillaise et qui est incontestablement l'angoisse du nègre dans le monde moderne. Sa poésie, d'ailleurs, rappelle beaucoup la poésie nègre américaine. Il était très influencé par le jazz, par le blues, et tout cela, il retrouvait les rythmes instinctifs de tout cela, et encore une fois, dans tout cela, circulait cette angoisse fondamentale. L'angoisse, d'où nous vient-elle? Donc l'Afrique représentait pour nous une sorte de nostalgie. Oui. C'était peut-être un peu romantique, mais cette nostalgie était là. Et cela prenait d'autres dimensions chez Senghor, parce que Senghor n'était pas, lui, Déraciné de la même façon que vous. Pas du tout. Oui. Senghor était un Africain. Et ce qui me frappait beaucoup, c'était la très grande sérénité de Senghor. On voit bien que ce n'était pas du tout un déchiré ni un transplanté. La mère d'Afrique était là, il en venait et il a beaucoup fait pour nous initier. Rendez-les-moi mes poupées noires, qu'elles dissipent l'image de catin blême, marchands d'amour qui s'en vont viennent sur le boulevard de mon ennui. Rendez-les-moi mes poupées noires, qu'elles dissipent l'image sempiternelle, l'image hallucinante des fantoches empilées fessues dont le vent portonnait la misère miséricorde. Donnez-moi l'illusion que je n'aurai plus à contenter le besoin étal des miséricordes ronflant sous l'inconscient dédain du monde. Rendez-les-moi mes poupées noires, que je joue avec elles les jeux naïfs de mon instinct, restez à l'ombre de ces lois, recouvrez mon courage, mon audace, redevenu moi-même, nouveau moi-même de ce que hier j'étais, hier sans complexité, hier, quand est venue l'heure du déracinement. Le sauront-ils jamais cette rancune de mon cœur? À l'œil de ma méfiance ouvert trop tard, ils ont cambriolé l'espace qui était mien. La coutume, les jours, la vie, la chanson, le rythme, l'effort, le sentier, l'eau, la case, la terre en fumée grise, la sagesse, les mots, les palabres, les vieux, la cadence, les mains, les mesures, les mains, les piétinements, le sol. Rendez-les-moi mes poupées noires, mes poupées noires. Damas a vraiment une voix unique, une voix qui n'appartient qu'à lui seul. Et c'est ce mélange, encore une fois, de pathétique, de nostalgie, d'humour, de ricanement, c'est tout cela qui fait de Damas un poète véritable et un poète inoubliable. Je définis la poésie nègre une image ou un ensemble d'images mélodieuses et rythmées. C'est peut-être Damas qui répondait le mieux à cette définition du poète ou de la poésie ad libitum. Ils sont venus ce soir
où le tam-tam roulait de rythme à rythme, la frénésie des pieds, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Depuis, combien de mois sont morts. Depuis ce temps où le tam-tam roulait de rythme à rythme, la frénésie des yeux, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de statue. Son ton, c'était précisément le ton du blues, le ton de la conversation, le ton de l'humour, ça c'est très important, l'humour, et au fond de tous ces poèmes, et alors bien sûr, il y a la grande angoisse, je remets tout le temps, il y a un pathétique de Damas, et le tout noyé dans un énorme ricanement. Oui. Il y a le ricanement de Damas. Oui. Mais tout cela en fait une poésie qui, vraiment qui poignante et qui va droit au cœur. Sur la terre des parias, un premier homme vint. Sur la terre des parias, un second homme vint. Sur la terre des parias, un troisième homme vint. Depuis, trois fleuves coulent dans mes veines. Trois fleuves coulent dans mes veines. Tout simplement, nous allions boire un coup. Il y avait déjà le jazz, surtout dans les boîtes de nuit. N'est-ce pas, nous les fréquentions moins que Damas, mais de temps en temps, Césaire et moi, ou Césaire séparément et moi séparément, nous allions écouter de la musique nègre et danser en même temps des danses nègres. Damas était beaucoup plus irrégulier, beaucoup plus spontané, beaucoup plus poète, je dois le dire. Même sa poésie est plus poétique que la nôtre, elle est plus spontanée. Damas n'était pas du tout un universitaire, c'était pas du tout un homme à faire des discours théoriques. Et sa négritude n'était pas du tout le résultat d'études ethnographiques, mais il la sentait, il la vivait. Et nous l'admirions beaucoup, parce que alors que nous étions plongés dans toutes sortes d'études et de gloses, il vivait déjà la négritude. C'était le premier poète nègre, un nègre vivant. Ça, c'est très important. Thank you.
Mais il est probable que Damas relisait ses poèmes et les corrigeait, comme Césaire et moi. Mais je crois que ses poèmes lui venaient plus spontanément qu'à nous. Vous voyez, parce qu'encore une fois, sa poésie répond beaucoup mieux à la définition du poème négro-africain. Mais par exemple, je vais vous réciter un poème, le Wolof. C'est un lutteur, un champion qui définit son adversaire en vers. Yagana, 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 daoren, soganyou. Webisimla, yamandor, andidor, laula tiat, laula rel, laula bet, laula la, menudom, adama, kulukum, ludigen, soukedur. Vous voyez, on dirait un poème de Damas, une image ou un ensemble d'images analogiques, mélodieuses et rythmées. Et ce rythme, ce sont des répétitions qui ne se répètent pas. Il est des nuits sans lune où jusqu'à l'asphyxie moite me prend l'âcre odeur de sang jaillissant de toute trompette bouchée. Des nuits sans nom, des nuits sans lune, la peine qui m'habite m'oppresse, la peine qui m'habite m'étouffe. Nuit sans nom. Nuit sans lune, où j'aurais voulu pouvoir ne plus douter, tant m'obsède d'écœurement un besoin d'évasion. Sans nom, sans lune, sans nom, nuit sans lune, sans nom, sans nom, où le dégoût s'ancre en moi aussi profondément qu'un beau poignard malais. Dans les ruines du camp de la transportation, les prisonniers de la survie sont maintenant des sans domicile fixe qui se sont emparés de ce camp de la désolation. Avec d'autres des alentours, avec d'autres quelques rares, j'ai au toit de ma case jusqu'ici gardé l'ancestrale foi conique et l'arrogance automatique des masques. Des masques de chaux vives, jamais n'est parvenu à rien enlever jamais d'un passé plus hideux, debout aux quatre angles de ma vie. Et mon visage brille aux horreurs du passé. Et mon rire effroyable est fait pour repousser le spectre des lévriers traquant le marronnage. Et ma voix, qui pour eux chante et douce à ravir, l'âme triste de leur pornographie. Éveille mon cœur. Et mon rêve qui se nourrit du bruit de leur dégénérescence est plus fort que leur gourdin d'immondices brandis. Guyane, Kourou, Ariane. Comme pour se dédouaner, l'homme a offert à cette terre son cadeau d'intelligence, trouer le ciel. Le découvrir pour le connaître, le maîtriser, espace infiniment plus grand que lui.
Le temps, le long temps de l'histoire, a adouci le sort des hommes bannis, des terres violées, de la Guyane aussi, soudain promus aux fertiles découvertes des au-delà. Ariane, déesse antique de fer et de secret, s'acharne à maîtriser le ciel des dieux nouveaux. Ariane, grande prêtresse de là venir. Ariane, la superbe d'acier emprisonnée toujours, comme à Cayenne, de barbelés enlacés. Et Damas peut dire: ils ont si bien su faire, si bien su faire les choses. La torche de résine portée à bras d'homme, ouvrant la marche dans la nuit du marronnage, n'a jamais cessé, à dire vrai, d'être ce flambeau transmis d'âge en âge et que chacun se fait fort de rallumer en souvenir de tant et tant de souvenirs. À la mort de Damas, j'ai eu l'occasion d'écrire ce poème. Soleil, oiseau d'enfance, déserteur de son hoquet, je vois les négritudes obstinées, les fidélités fraternelles, la nostalgie fertile, la réhabilitation de délires très anciens. Je vois toutes les étoiles de jadis qui renaissent et sautent de leur site ruiniforme. Je vois toute une nuit de ragtime et de blues traversée d'un pêle-mêle de rires et de sanglots d'enfants abandonnés. Et toi, qu'est-ce que tu peux bien faire là, noctambule à n'y pas croire de cette nuit vraie, salutaire ricanement forcené des confins, à l'horizon de mon salut, frère, feu sombre toujours. Césaire a créé le mot de négritude. Damas a vécu la réalité de la négritude. Et tous les trois, nous avons été les premiers, n'est-ce pas, à écrire des poèmes venant de la négritude en France.